Si l'on ne fait pas pour ça, alors y a-t-il des raisons d'espérer encore? On se fout de tout, œil détourné, pas concerné. Vogue la galère, c'est pour les autres. Ouf, juste pas les nôtres. Triste pensée de cœur obscur, faut pas que ça dure. De... La maladie, elle frappe tout le monde de manière très injuste et très arbitraire. Ce qui aggrave les choses lorsqu'elle frappe quelqu'un en Corse et lorsque les soins ne sont pas disponibles sur le territoire, c'est que viennent s'ajouter à la maladie des préoccupations financières, administratives et logistiques. C'est ce qu'on appelle, nous, la double peine. Donc c'est qu'il est déjà bien assez difficile de faire face à la souffrance physique d'un proche, d'un enfant encore plus évidemment, il est déjà bien assez difficile de s'acclimater aux termes médicaux, de savoir comment obtenir la meilleure prise en charge médicale possible. Mais lorsque vous rajoutez à ça la nécessité de devoir trouver un billet d'avion ou un bateau, éventuellement en période de grève, ou alors lorsqu'un avion est complet, si vous rajoutez à ça le fait de devoir trouver un hébergement, à une période qui peut être une période estivale, par exemple, ou ailleurs comme chez nous, en été, tout est complet. Eh bien là, il y a vraiment une seconde injustice qui s'abat sur les familles. C'est vraiment la double peine qui ne frappe que les gens qui vivent en Corse, parce qu'en Corse, il n'y a pas de CHU. Toutes les spécificités médicales ne sont pas pratiquées. Et donc, eh bien, nous devons partir beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment sur le continent pour accéder aux soins. Association INSEM, bonjour. D'accord, donc vous n'avez pas reçu l'accord préalable de la Sécurité sociale. Donc il va falloir que nous fassions l'avance du billet. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez le formulaire de demande d'avance remboursable? Alors là, le billet, ça va être pour votre mari et pour l'enfant, c'est ça? D'accord, donc il va me falloir les photocopies des deux personnes, une pièce d'identité, hein. Ensuite, il va me falloir donc la photocopie de l'accord préalable pour le taxi. Il va me falloir un chèque de caution pour le remboursement du billet. Non, du tout. Alors, l'avance remboursable n'est pas un don. C'est une avance qui va donc falloir nous rembourser du fait que vous allez être remboursé vous-même par la Sécurité sociale. Donc, nous allons faire l'avance du billet. Nous allons régler votre billet. Vous allez nous remettre en échange un chèque de caution du montant de votre billet que nous n'encaisserons que lorsque vous serez remboursé par la Sécurité sociale. Alors, les dons au niveau des billets d'avion, c'est dans le cadre de l'accompagnement du deuxième accompagnateur d'un enfant hospitalisé. Un enfant ne voyage jamais seul, donc il part avec un accompagnant, soit la maman, soit le papa. Dans ces cas-là, nous, associations, nous payons le billet du deuxième accompagnateur, qui est soit par exemple le papa, si la maman est le premier accompagnateur. Tout à fait, ça peut être le frère, la grand-mère, une tante, une amie, peu importe. Il n'y a pas de personnage désigné spécialement. De rien, au revoir. L'association INSEM est née au départ, c'est vrai, d'une initiative un peu personnelle, d'un vécu, le mien, celui de ma famille, douloureux. Mais ce n'est pas très original parce que tous les gens qui ont été confrontés à ces problématiques l'ont vécu aussi de manière douloureuse. Mais en tout cas, un ressenti, une amertume, des souvenirs de difficultés qui venaient s'ajouter à la maladie et qui ne passaient pas.
que je n'arrivais pas à accepter, que je n'arrivais pas à vivre comme des fatalités. La volonté de se dire, on ne peut pas se contenter de trouver ça difficile, voilà, de se plaindre et d'essayer d'apporter des solutions. Et donc l'idée est venue, parce que lorsqu'on part sur le continent, on devient très vite un spécialiste au bout de quelques temps. Les premiers temps, c'est très effrayant, mais après, on trouve tout de suite un bon taxi, une bonne adresse d'hôtel, et on a plein de bons tuyaux dont on peut faire profiter les autres. Donc au départ, c'était ça l'idée, c'était juste de recenser quelques bonnes adresses, quelques personnes... qui bénévolement pouvaient apporter un concours et les mettre à disposition des gens sur Internet. Et puis, au bout d'un moment, d'autres ont donné d'autres adresses, d'autres numéros de taxi qu'eux aussi avaient rencontrés à l'occasion de leur propre parcours. Ça a fait une base de données un peu plus importante. Et puis, on s'est dit, bon, on va faire un site Internet pour mettre ça proprement à disposition des gens. Et puis, très rapidement, évidemment, on s'aperçoit que délivrer de l'information, c'est très bien, c'est très utile parce que ça manque cruellement, mais ça n'est pas suffisant. L'aspect financier vient tout de suite après. Donc là, on s'est dit oui. Une fois qu'on a un peu identifié autour de chaque lieu de soins, et c'est très long à faire, hein, c'est un travail très minutieux de trouver tous les lieux de soins privés, publics, partout, et les hébergements disponibles, eh bien là, il faut pouvoir récolter de l'argent pour aider les familles qui ne peuvent pas accéder à ces hébergements. Et là, eh bien, pour récolter de l'argent proprement, en toute transparence et sérieusement, eh bien, il faut constituer une association. Et chemin faisant, l'association prend de l'ampleur. On a créé deux emplois. Il y a désormais une chargée de mission à Ajaccio qui accueille quotidiennement les bénéficiaires d'Ajaccio, du Grand Ajaccio et du Sud. Et on a la même chose à Bastia. Et on va même maintenant, nouvelle étape depuis 2016, sortir de ces bureaux ajacciens et bastiais. Et on va maintenant dans le rural, nous. Nos chargés de mission vont à la rencontre des bénéficiaires. On a commencé par la Haute-Corse. Donc toutes les semaines, on est soit en Balagne, soit dans le centre-Corse, soit en plaine orientale, pour faire des permanences d'information et permettre aux gens qui viennent accéder à l'information et à nos dispositifs financiers. Ça a du sens, quoi. Bon, OK. Donc au niveau des locaux, c'est bon. Ouais. Alors ensuite, donc pour nos bénéficiaires. Donc aujourd'hui, on est à quel chiffre? Alors 428 bénéficiaires aujourd'hui entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Donc aujourd'hui, on est le 6 octobre. 6 octobre. Donc 428 le 6 octobre, et l'an dernier, en décembre, on était à 409. Donc ce n'est que du positif, hein, et ça veut dire aussi que vous, de votre côté, bah, vous avez bien bossé, hein, tout bêtement. Hein. Et qu'on s'est fait mieux connaître, et que de plus en plus de gens ont pu faire appel à nous. On va au-delà de nos prévisions, c'est-à-dire que l'an dernier, on n'avait pas imaginé dépasser à ce point le nombre de bénéficiaires. D'accord. Mais comme on a bien travaillé par ailleurs et qu'on a fait rentrer de l'argent dans les caisses, et on peut l'assumer. Donc tout est positif, et on va faire un atterrissage à la fin de l'année... qui va être tout à fait convenable, hein, qui va s'assimiler aux années précédentes. Hein, donc parfait. Hein, c'est... On continue. Non, c'est positif, hein, quand je dis ça. En général, les premières questions qui nous sont posées lorsque quelqu'un apprend qu'il doit se rendre sur le continent pour une raison médicale, et notamment pour son enfant, c'est des questions très pratiques. L'information qu'on nous demande le plus souvent, c'est des adresses d'hébergement situées à proximité des lieux de soins. On nous demande aussi un accompagnement dans les démarches administratives pour obtenir ensuite un remboursement par sa caisse d'assurance maladie. Également, savoir à quoi certaines personnes, en fonction de leur situation, peuvent avoir droit auprès de certaines institutions, auprès de certaines associations, puisque nous, à INSEM, on ne fait pas tout. On est vraiment concentrés sur les déplacements, les hébergements. Et au quotidien, donc, on met en relation les personnes qui s'adressent à nous avec nos partenaires institutionnels ou associatifs, et notamment lorsqu'on parle de tumeurs vers des partenaires comme la Ligue ou comme la Marido, avec qui on travaille au quotidien. Donc ça, c'est la mission d'information. La mission de solidarité, elle consiste à soutenir financièrement les familles qui sont confrontées à ces difficultés pour leur permettre soit de payer des hébergements, puisqu'il faut savoir que même si les personnes qui vivent en Corse sont obligées de se rendre sur le continent pour accéder à des soins, aucune nuit n'est jamais prise en charge par l'assurance maladie. Chaque nuit passée dans un lieu d'hébergement, quel qu'il soit, doit être financée par les familles. Donc nous, on intervient à ce niveau-là. Et on intervient aussi au niveau des transports. Les transports, on estime notamment, c'est très important pour les enfants. La règle actuelle de l'assurance maladie fait que lorsqu'un enfant doit se rendre sur le continent pour une raison médicale, l'assurance maladie prend en charge le billet d'avion d'un seul de ses deux parents, jamais du deuxième. Et pour nous, c'est une injustice terrible que de priver un enfant d'un de ses deux parents et en même temps, souvent le papa, parce que c'est souvent lui au final, que le papa ne puisse pas être aux côtés de la maman et de l'enfant dans des moments douloureux. Donc notre mission de solidarité, c'est ça. Et on intervient pour que les familles soient réunies, pour que l'éloignement, pour que l'insularité ne rende pas encore plus douloureux ces moments-là. Alors aujourd'hui, vous êtes en fin de parcours, dans une situation difficile que vous avez rencontrée avec votre enfant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu? Cette situation a commencé quand?
Alors, elle a été diagnostiquée en avril 2015. Comment avez-vous procédé ? Comme c'était une maladie assez spécifique, on a dû partir sur Paris. D'accord. Donc, ça a été assez compliqué parce que, évidemment, normalement, on est pris en compte par la Sécu que sur Marseille, par rapport au bord à bord. On a eu de grosses difficultés avec la Sécu. D'ailleurs, notre premier billet d'avion, donc à tous les trois, n'est toujours pas remboursé. Oui. Ça fait un an et demi, plus d'un an et demi. D'accord. Alors, à ce sujet, sachez que nous, au sein de l'association, nous avons un dispositif juridique. Et si vous avez besoin de notre aide à nouveau pour pouvoir percevoir le remboursement de ce billet que vous n'avez toujours pas, sachez qu'on peut vous aider. Mais je pense que... Voilà. Quels sont les autres soucis que vous ayez rencontrés ? Alors, les lourdeurs administratives, voilà, les papiers qu'il faut scanner parce qu'on nous les redemande, alors qu'on est déjà dans une situation assez compliquée. Voilà. Les lourdeurs administratives, énormément. Le fait aussi que dans les vols, sur les vols, on ne soit pas prioritaire quand on part pour raison de santé sur des personnes qui sont... des voyageurs fréquents, voilà, des VIP ou Sky Priority, etc. Ça, c'était très, très compliqué. Après votre retour en Corse, comment ça s'est passé ? Quand on est revenu, le souci, c'est que voilà, on est une île, on est un peu isolé, on n'a pas de spécialiste. Donc, on a eu du mal à trouver des professionnels de santé qui souhaitent s'engager, parce qu'il y en a quand même, mais c'est quand même compliqué dans un cas de tumeur pédiatrique. On a eu du mal à avoir des médecins qui suivent le dossier sur place. Voilà, ça a été compliqué. On a vraiment eu du mal à trouver. Et c'est vrai que ça a été un gros poids en moins quand on a trouvé quelqu'un. Donc, un suivi médical au niveau des infirmiers ? Infirmiers et même médecins hospitaliers. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance parce que comme je suis fonctionnaire, j'ai bénéficié de dons de RTT. Moi, j'ai ma collectivité qui a de suite fait le nécessaire, qui a délibéré pour ça, pour que ce soit possible. Et mes collègues, évidemment, hein, une énorme solidarité de la part des collègues. Voilà, qui de toute façon, ça, c'est vrai, on a... une énorme solidarité familiale, professionnelle. D'autres n'ont pas, bien sûr. Exactement. Je pense, pour avoir parlé avec d'autres parents sur le continent, que pas tout le monde ne bénéficie d'un tel élan de solidarité. Et par contre, mon compagnon, qui lui est artisan, a eu une grosse, grosse baisse d'activité, donc de revenus. C'est... La situation dans laquelle on s'est retrouvé, s'il n'y a pas la famille, le village, les collègues... Le monde associatif... Les amis. Les institutions en place, on ne pallie pas à tout ça. Il faut voir qu'il y a plein de gens qui nous ont aidés. Il y a les gens du village et de ma région. Il y a les collègues de Christine. Il y a la famille, les amis. Ajaccio, c'est petit. Tout le monde a réagi. Vous en entourez. Voilà. C'est vrai que si on avait été peu entouré et sans, en tout cas, sans l'association INSEM, où il y en a d'autres, je ne sais pas si je peux... parler ou pas, bon, il y a la Marido, il y a les sapeurs-pompiers, la fille de Pouch, il y a eu beaucoup d'associations qui ont été là pour nous. Sans ces associations, en ayant simplement ce qui est disponible pour les parents... C'est la catastrophe. J'ai du mal à comprendre comment... Ça serait bien d'y réfléchir, d'essayer de faire quelque chose pour que, justement, je ne sais pas, bon, les pouvoirs publics ou nos politiques insulaires réfléchissent à la chose, à aider les gens qui partent pour raisons de santé. Que ce soit au niveau logement, que ce soit au niveau priorité, au niveau des avions, qu'on passe pas derrière des gens qui partent en vacances ou qui viennent en vacances. C'est insupportable. Ouais, ça, c'est très compliqué. Et ça, je comprends pas. En plus, je comprends pas que ce soit que des associations qui nous aident. La Maison des Parents, INSEM, pour le billet d'avion, je pense qu'au niveau argent public et pouvoir public, doit être fait quelque chose pour les enfants de Corse, quoi. Bon, nous sommes heureux de vous recevoir au siège de l'Union territoriale Corse. Au titre du conseil d'administration de la CMCS, en tant qu'administrateur, je vous remets le chèque de l'argent récolté lors de cette fameuse journée de solidarité, initiée par les jeunes de l'entreprise EDF. Il faut savoir que c'est la 5e année consécutive qu'ils font ce genre de démarche, de manière à pouvoir ancrer les valeurs des activités sociales au plus profond de ce qu'elle représente, en récoltant des fonds et en vous soutenant, en vous aidant à accomplir votre noble cause. On pense forcément à l'ensemble de nos bénéficiaires, de toute la région, de toute la Corse, puisque vous savez que nous, à la fois, nous avons une mission d'information,
hein, pour toutes ces familles qui vont se faire soigner sur le continent. Je vais dire malheureusement, mais heureusement que nous sommes là, heureusement que vous êtes là. Et puis on a cette mission de solidarité où on aide les familles à financer leur, gérer leur trajet, leur hébergement. Donc c'est forcément par ces mécènes comme vous qui les accompagnons. Donc je vous remercie énormément, énormément. Merci beaucoup. Cette mission de solidarité, elle nous conduit à solliciter la générosité des Corses avec des multitudes de petits chèques qui nous sont adressés par des particuliers, par des manifestations sportives ou culturelles qui sont organisées toute l'année en Corse et sur le continent à notre profit, et aussi à travers un partenariat très innovant qu'on a mis en place avec le groupe Géant Casino en Corse, qui est l'arrondi solidaire. On a initié ça il y a 2 ans maintenant, et tout un chacun peut soutenir INSEM à son petit niveau en demandant à la caisse, à l'hôtesse de caisse, l'arrondi de son ticket de caisse. Et ces quelques centimes, ajoutés les uns aux autres, font une multitude qui rapporte plusieurs milliers d'euros par an. Et le slogan est très parlant. Notre slogan, c'est « Demupok ou fais-moi ça ». C'est toute la philosophie d'INSEM. Aussi du rouge dans la lune quand elle faiblit, des nuances improbables en des lieux pleins de mystères qui colorent la terre ou bien les cieux. Ce mélange curieux. Thank you.